Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Julie Huard et ça me fait très, très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde organisée par l'Association des auteurs de l'Ontario français avec la collaboration, bien sûr, du Salon du livre de l'Outaouais, le 43e, et pendant laquelle on va se demander sérieusement si les écrivains sont des devins et s'ils sont un petit peu capables de lire dans l'avenir, de lire dans la boule de cristal, qui est le thème justement du Salon du livre cette année. Nous allons le faire avec trois passionnés de la science-fiction, Marie-Josée Martin, Charles-Étienne Ferland et Jean-Louis Trudel. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous, public, ce soir, si vous nous écoutez sur Facebook ou sur YouTube, on vous invite à prendre part à cette rencontre en nous écrivant vos questions dans le clavardage qui est à la droite de votre écran. Et puis aussi, en posant des questions à la toute fin de la rencontre, on vous réserve une dizaine de minutes à la fin pour chatter avec nous. Alors, avant de se lancer dans cette action de science-fiction, je vous présente nos trois invités. Je fais une petite présentation brève de chacun de vous, en commençant par Marie-Josée Martin, qui est écrivaine, traductrice et réviseur. Elle a pris racine en Ontario français il y a plus de 25 ans. Son deuxième livre, « Un jour, ils entendront mes silences », très beau d'ailleurs, paru aux éditions David en 2012, a remporté 4 prix, dont le prix du livre d'Ottawa et le prix littéraire « Le droit ». Marie-Josée a un faible pour la nouvelle, pour le roman et bien sûr pour la science-fiction. D'ailleurs, son petit dernier qui est juste ici, L'ordre et la doctrine, publié en 2021 chez Prise de parole, nous transporte en l'an 305 dans une société matriarcale après que l'humanité ait frôlé l'extinction. On va en parler tantôt. Charles-Étienne Ferland. Il est auteur, comédien, musicien et biologiste. Il détient une maîtrise en écologie des insectes de l'Université de Guelph. Et on peut dire, je pense qu'on peut dire que ses études ont un petit peu fertilisé son imaginaire parce que dans son premier roman intitulé « Dévoré », une espèce de guêpe géante infeste la planète et ravage absolument tout sur son passage, y compris, vous l'aurez deviné, nous, les êtres humains. Dans son deuxième roman, non, pardon, oui, dans son dernier roman qui s'intitule « Métamorphose », incidemment, les deux livres sont publiés aux éditions L'Interligne, Jack, qui est son personnage principal, va devenir l'une de ces bestioles. Et je ne vous dirai pas la fin. Ce livre était finaliste l'année dernière au prix Trillium. Le dernier et non le moindre, Jean-Louis Trudel, il est auteur, traducteur et critique. Il est né à Toronto et est maintenant établi dans la ville de Québec. Il a complété des études en physique, en astronomie, ainsi qu'en philosophie des sciences et des techniques. Il a abondamment publié sur la science-fiction au Canada francophone en contribuant à des ouvrages parus au Canada, aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Il signe lui-même 2 romans de science-fiction, plus de 20 livres pour la jeunesse, ainsi que ce petit guide de la science-fiction au Québec, paru en 2017, et c'est paru aux éditions À lire. Alors, êtes-vous prêts à commencer? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer? Prêt. J'ai comme première question, évidemment, qui va avec le thème de ce salon et de cette table ronde. Quand vous écrivez, quand vous prenez la plume pour écrire la science-fiction, qui est cette littérature de l'imaginaire, est-ce que vous avez parfois l'impression d'être capable de lire dans une petite boule de cristal? Est-ce que vous pensez être capable de prédire un petit peu l'avenir? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et je lancerai Marie-Josée d'abord pour parler là-dessus, pour réfléchir là-dessus. J'ai une boule de cristal, mais elle est plutôt silencieuse en général. Je prétends pas être capable de prédire l'avenir. Quand j'écris de la science-fiction, c'est pour explorer des idées, explorer des pistes, des avenues potentielles de transformation pour nos sociétés, mais j'ai pas la prétention de dire ça va être comme ça exactement.
Mais j'aime la science-fiction parce qu'elle nous permet d'explorer, tu sais, des idées, que ce soit justement les sociétés matriarcales, qu'est-ce que ça pourrait être que si on avait une structure de pouvoir différente, quel genre de société qu'on pourrait avoir, comment ça pourrait contribuer davantage au mieux-être et à l'harmonie avec la nature aussi. Alors, je trouve que c'est la force de la science-fiction, ça, d'explorer des idées. Explorer des idées, explorer les insectes aussi. Charles-Étienne, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question-là? Est-ce que tu te propulses dans l'avenir? Est-ce que tu peux lire un peu dans le futur? Moi, j'ai l'impression que quand on écrit, on n'a pas le choix d'être un petit peu le voyante de chacun de nos personnages, c'est-à-dire que c'est nous qui tenons les ficelles, qui avons le plein contrôle sur ce qui va se passer. Il faut être capable d'anticiper, il faut être capable de leur prédire leur avenir. Si mon personnage principal s'assoyait devant moi, en présentiel ou par Zoom, je devrais être capable de dire, toi là, toi, il va se passer telle affaire. Ça va peut-être pas te plaire, mais je pense que les lecteurs vont vouloir que ça se passe. On prédit pas tout le temps des choses joyeuses pour nos personnages. L'idée est d'entretenir une tension dramatique, mais quand on écrit, je pense que ma réponse est ça. C'est on doit être capable de prédire le futur dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Mais quand on pense, OK, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de Orwell, La servante écarlate de Margaret Atwood, L'orange mécanique de Burgess, les auteurs de ces livres ont dépeint l'avenir, ont dépeint le futur, parfois avec une exactitude qui est effarante. Mais pourtant, quand ils écrivaient leurs livres, quand ils le faisaient, il n'y avait aucune idée que ces choses-là seraient possibles. Est-ce que les écrivains Jean-Louis Trudel sont un petit peu devins aussi, ou s'ils sont peut-être tout simplement de meilleurs observateurs du présent et du passé pour pouvoir mettre en scène le futur? Quel est votre avis là-dessus? Ben, je pourrais répéter tout d'abord ce que les autres ont dit, qui est parfaitement exact. Je dirais qu'il y a quand même un cas particulier où il m'est arrivé, disons, de prédire l'avenir, et où les écrivains prédisent l'avenir, c'est quand la science leur fournit les réponses. Et donc, par exemple, au début des années 90, j'ai écrit un texte qui parlait d'un futur où le climat est plus chaud, où il y a d'immenses feux de forêt qui ravagent l'Amérique du Nord. Et bien, en fait, je m'appuyais sur les prédictions qui existaient déjà à l'époque au sujet du réchauffement climatique et de ses conséquences. Donc, dans ce cas particulier où je pouvais m'appuyer sur les prévisions de la science, on peut très bien écrire des textes qui vont frapper assez juste. Le cas des écrivains comme Orwell, Atwood et d'autres qui écrivent sur la nature humaine essentiellement. Là, c'est simplement, je dirais, il y a une part de coïncidence et il y a une part d'enracinement dans la réalité. Orwell s'appuyait sur la réalité de son temps, Huxley s'appuyait sur la réalité de son temps, Atwood a clairement dit que pour la servante écarlate, elle a pris des faits qui étaient arrivés un peu partout. Elle n'avait rien inventé, Elle a dit qu'elle rien n'a rien inventé. inventé, oui. Et donc, et comme on pourrait dire peut-être l'inventivité humaine, en fait, de générer de nouvelles réalités est relativement limitée, ce qu'un être humain va imaginer peut très bien arriver, surtout lorsqu'il y a un enracinement dans la réalité. Nous vivons encore dans l'Occident, d'Aldous Huxley, culture capitaliste et commerciale. Nous vivons encore dans le monde, des grandes puissances de Orwell. Et nous vivons encore un peu dans le monde d'Atwood et avec misogynie, patriarcat et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver des ressemblances entre ce que ces personnes ont écrit et ce qu'on observe dans le monde d'aujourd'hui. Si vous écriviez, par exemple, sur la pandémie, ces 2 dernières années qu'on vient de vivre, si vous aviez écrit, par exemple, sur le siège des camionneurs sur la colline parlementaire dans les 2 dernières semaines, si vous aviez écrit ça
il y a 50 ans, peut-être qu'on vous aurait jamais cru, Charles-Étienne. Peut-être. Je suis encore un peu sous le choc. Je sais pas quoi commenter à ça. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que le présent est très riche en ce moment pour qui veut puiser de l'inspiration. Comme Jean-Louis le disait, je veux dire, il y a l'écologie, la guerre, la consommation. On peut puiser indéfiniment dans ce qui se passe en ce moment pour se projeter dans le futur. Marie-Josée, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est toujours le cas. Je pense que tous les autrices, les auteurs de science-fiction regardent d'abord ce qui se passe dans leur présent, que ce soit au niveau social, au niveau de la science, comme Jean-Louis le soulignait. Et à partir de là, on extrapole, on essaie d'imaginer si on pousse ça à l'extrême, qu'est-ce que ça pourrait devenir. En vous lisant, Marie-Josée, je vais mélanger le vous, le tu, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Évidemment, je pensais à Margaret Atwood, parce que Margaret Atwood, dans La Servante écarlate, elle a mis en scène une dictature mâle dans laquelle les femmes sont frappées de stérilité, dont certaines vont devenir des servantes écarlates, dont le seul rôle sera la reproduction. Vous, tu as fait le contraire. Tu as donné, ouais. Tu as ouvert la porte aux femmes, tu as redonné le pouvoir aux femmes avec l'ordre des mères et Masala, qui est la mère de notre ère. Oui, c'est ça. Les femmes sont vraiment devenues pleinement maîtresses de leur corps, de la reproduction, de la croissance démographique. Alors oui, c'est le contre-pied de Margaret Atwood. C'est encore très très structuré, comme dans La Servante écarlate. La reproduction se fait dans un... C'est quasiment un ordre religieux, c'est quasi religieux. Alors moi aussi, c'est la massalière où les femmes donnent naissance aux enfants est une espèce de couvent. Alors, il y a ce point-là, mais elles sont vraiment pleinement maîtresses de tout ce qui est reproduction et du corps des femmes. Ouais. Et pas juste du corps des femmes, de la société au complet. Elles sont les gardiennes de la société parce que considèrent que les hommes ont foutu le bordel, alors tant qu'à rebâtir... Elles ont pris le contrôle. Aussi, l'égalité et oui. Tout ça. Là. Oui. Oui, je voulais imaginer qu'est-ce que ce serait un pouvoir différent, donc non capitaliste. C'est vraiment une société qui est fondée sur le don, qui est fondée sur l'écologie. Alors, tout un nouveau système économique qui est là. Charles-Étienne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Marie-Josée dit dans le sens que les hommes ont foutu le bordel? Je pense que si on prend les hommes au sens même du genre humain et qu'on fait un parallèle avec les catastrophes qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, 100%, en fait, je pense qu'on s'en va dans une direction un peu périlleuse au niveau environnemental, niveau politique aussi, avec ce qui se passe dans ces derniers 24 heures qui me paraît un peu inquiétant. Donc, l'homme a un talent inédit pour foutre le bordel. C'est vrai, on n'en revient pas encore à cette guerre, en tout cas, qui a été déclarée hier soir. Mais ça, c'est une autre histoire. Je veux vous demander, à vous trois, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est plus long d'inventer des mondes qui n'existent pas que de raconter ceux qui existent déjà? Charles-Étienne, veux-tu poursuivre? Oh mon Dieu, quelle question! Est-ce que c'est plus long d'inventer des mondes que... Tout dépend de comment est-ce qu'on quantifie le processus de création. Est-ce que ça commence dès le moment où est-ce que je m'assois devant mon ordinateur puis je commence à écrire, ou est-ce que, tu sais, je compte tout le temps que les idées ont mis à mûrir dans ma tête quand, dans mon cas, je travaillais dans les champs, je travaillais dans les serres, puis je prenais quelques notes sur mon téléphone à gauche, à droite. C'est très, très, très difficile. Et ensuite,
je crois que ça dépend aussi de l'individu, de sa capacité d'aller dans le détail, son regard qu'il ou elle porte sur le monde, que ce soit réel ou inventé. Toute une longue réponse pour dire je sais pas si ça prend plus de temps. Je pense que ça dépend du monde. Pour du monde, ça peut, d'autres non. Puis des fois, c'est le cumul des expériences de toute une vie aussi qui est dans vos chairs, qui est dans vos esprits, qui est dans vos âmes, vos élans de création aussi. Tu sais, on ne peut pas dire, ah ben j'ai fait ça en un an, c'est tout. Parce qu'il y a tout un ensemble, il y a tout un univers qui entoure chaque être humain. Absolument. C'est sûr. À partir de l'idée qu'on écrit de soi, plus on a de vécu, plus on a de choses à écrire, et plus je crois qu'on porte attention aux détails qu'on remarquait pas avant. On a comme une sensibilité qui s'accroît de livre en livre, j'oserais dire. Oui, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus? Ben, c'est certain que d'une part, du côté des écrivains de science-fiction, il y a ce qu'on appelle des créateurs de monde, et selon leur formation, et selon aussi l'étrangeté du monde en question, l'éloignement dans le temps ou dans l'espace, ou les deux, le processus de de création de monde peut être extrêmement long, parce qu'on va inventer parfois la géographie, le climat, toute l'histoire de cette société future sur des siècles ou des millénaires. Si je peux m'écarter de la science-fiction un petit instant, je vais rappeler ici l'exemple de la Terre du Milieu de Tolkien, qui a des millénaires d'histoire que Tolkien a mis à imaginer. Mais effectivement, Pendant toute sa vie, hein, c'est la seule aventure littéraire qu'il aura faite, toute une vie pour faire ça. Il y a des écrivains qui, justement, bon, restent dans notre monde, mais le produit de leur œuvre, ici je pense à Proust, à La recherche du temps perdu, c'est également un peu ce qui chapeaute toute une vie. Donc, mais c'est une création de monde différente, c'est une gestation différente, peut-être plus organique, moins délibérée, alors que l'écrivain de science-fiction ou l'écrivain de fantasy, comme je disais, doit avoir une démarche consciente de création, trouver les moyens de s'assurer que tout est cohérent, de la géographie au climat, à l'histoire, aux sociétés, aux races, à la biologie, dans certains cas. Et il y a eu des créations de monde extrêmement aussi bizarres dans la science-fiction. Je songe à cet auteur, un physicien à l'origine, Robert Forward, qui avait imaginé la vie sur une étoile à neutrons, où la gravité, j'essaie de pas dire de bêtises, et des dizaines à des centaines de fois plus forte qu'à la surface de la Terre. Donc, ça donnait des êtres relativement microscopiques qui vivaient très rapidement et qui étaient peut-être essentiellement fabriqués en diamants ou donc c'était des formes de vie extrêmement étranges. Et il avait, je pense, réfléchi longuement à la façon de justifier cela et de comprendre à quoi pouvait ressembler une société bâtie sur une étoile à neutrons. C'est incroyable, et tout est possible en science-fiction. Il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Les Les limites limites de notre sont imaginaire. les limites sont un peu, il y a un jeu quand même, c'est ce que j'appelle le jeu de la connaissance entre justement ce qu'on imagine et ce qu'on peut justifier rationnellement, ou du moins de façon à convaincre les lecteurs et les lectrices qu'on a fait quelque chose de rationnel. En science-fiction, l'humain va perdre ses droits, va perdre ses libertés et va se retrouver sous le joug de toutes sortes de dominateurs. Ça arrive souvent, ça, en science-fiction. Pourquoi ça? Parce que ça existe vraiment? Marie-Josée? Je ne sais pas que j'ai une réponse à cette question-là. Je peux seulement parler de ma démarche à moi, qui était de vouloir écrire quelque chose qui... Donc, la société que j'ai décrite est en rupture avec l'Occident. Et dans le modèle de l'Occident, c'est que conformément à la Bible, l'homme et l'humain est au-dessus de la pyramide. Alors, moi, je voulais rompre avec cette prémisse-là.
Alors, c'est pour ça que je l'ai mis sur un pied d'égalité avec la nature, en fait. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est arrogant de la part de l'humain de se penser au-dessus de tout. Et beaucoup d'auteurs de science-fiction ont voulu explorer une place différente pour l'être humain. Charles Étienne, qui écrit à propos des insectes, pourrait nous dire le chiffre exact, mais la masse des insectes sur la Terre, en fait, est beaucoup plus importante que celle des humains. C'est juste qu'on ne les voit pas. C'est Pas vrai, tous. il y a des insectes même qu'on n'a même pas identifiés encore et qui sont déjà disparus de la surface de la Terre à cause des feux, à cause de la pollution, à cause de tout ça, n'est-ce pas, Charles-Étienne? Absolument. Absolument. Mais d'après les estimés, il reste 5 à 20 millions d'insectes à identifier. Donc, on en a encore pour quelques temps avant qu'il n'y en ait plus. Puis de toute façon, ils vont sûrement être là bien après que nous, on soit plus là. Mais j'aimerais revenir à ce que tu disais par rapport aux auteurs, aux autrices qui écrivent des mondes où l'humanité est dominée par un pouvoir quelconque et la raison pour laquelle ces fictions ont lieu. Et la réponse qui me vient en tête, c'est que c'est le fun. C'est le fun pour l'auteur, c'est le fun pour le spectateur. On aime ça voir des personnages qui luttent pour s'en sortir, qui pataugent, qui se mesurent à des circonstances qui les dépassent. Et en tant que spectateur, on se dit comment ils vont s'en sortir. Et si j'étais à sa place, là, hé là là, je sais pas qu'est-ce que je ferais. On aime un personnage qui n'est pas prédisposé à triompher, mais qui grâce à des alliés ou un objet inusité, nous surprend par son ingéniosité et réussit à, je sais pas, sauver la galaxie. Ouais, ton personnage, Jack, tu sais, il va devenir une guêpe. Il va devenir une bestiole semblable à une guêpe géante, en tout cas. Il devient pas exactement une guêpe, il devient une bête. Dans Métamorphose, j'utilise l'expression bête carnivore, c'est-à-dire qu'il va prendre de la guêpe le comportement agressif qu'on lui décrit dans Dévorer. Donc ça devient une espèce de mort-vivant, loup-garou, Wendigo. Les différents personnages ont différentes opinions, mais on a une espèce de bête surhumaine assoiffée de sang. Tu as pris, par exemple, l'être que tu adores plus que tout sur la planète, qui sont les insectes, et que tu en as fait des tueurs. J'ai joué un petit peu sur la peur qu'ont plusieurs personnes des insectes. Je me suis dit, ça me prend un prétexte pour créer cet univers-là post-apocalyptique. Les zombies, ça avait été fait. Moi, au moment où je commençais à écrire Dévoré, j'étais un grand fan des premières saisons. Je précise, les premières saisons de Walking Dead. J'ai malheureusement ou heureusement, arrêté de suivre la saga. Mais ça me prenait un prétexte. Ça me prenait un coupable à pointer du doigt pour dire c'est la fin du monde pour telle raison. Qu'est-ce que je connaissais à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais au bac, je faisais ma majeure en études de l'environnement, ma mineure en bio, puis les insectes, ben, ça faisait longtemps que je m'intéressais à ça. Puis je me suis dit, bon, OK, mais là, lequel on prend? Il y a 1 million d'espèces décrites dans le monde. On va prendre l'insecte que les gens aiment pas, qui tourne autour des pique-niques quand qu'on mange l'été, quand qu'on veut être tranquille, puis partager un moment en famille, entre amis au parc, les Qui aime guêpes. la viande? Qui aime la viande? Et ça, c'était pas déjà. Isabelle aime le miel, c'est pas la même chose. Donc, ben c'est pour ça que j'étais allé chercher les insectes puis je les ai amenés dans l'écriture. Dans C'était ton aussi monde. du connu. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui avait jamais beaucoup écrit, j'avais trempé mes pieds un petit peu dans la nouvelle. Je me dis, ça me prend peut-être une porte d'entrée. Puis, si je pourrais partir un projet. Ça va me prendre pas mal d'idées. Et puis de conférence en conférence, des fois je prenais des petits bouts de présentation parce qu'ils parlaient du comportement des insectes. Puis je me dis, ah, ça là, si on multiplie par 100, ça devient un insecte plus gros, plus vorace, qui pourrait se nourrir
des humains. Puis bon, okay, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si, mettons, avec leur venin, quels vont être les effets secondaires? Nous, quand on se piquait par une guêpe, à moins d'être allergique anaphylactique, quand on a une petite bosse, ça fait mal, puis après une couple de jours, ça part. Mais là, si l'insecte mesure 1 mètre d'envergure avec ses ailes, pèse 15 kg, puis injecte probablement un demi-litre de venin quand ça pique, ça sera pas beau. Imaginez ça arriver vers nous. Ah, oh, mon Dieu. Bon, OK. Jean-Louis, vous avez écrit 24 livres jeunesse. Est-ce que c'est important pour vous de parler de science-fiction à la jeunesse aujourd'hui et pourquoi? Ça l'est toujours. Cela fait maintenant quelques années que je n'ai pas repris la plume pour la jeunesse, mais j'ai des projets dans mes tiroirs. Il y a toujours un peu l'idée de jouer avec justement des expériences, des futurs possibles, des possibilités, des mondes possibles, et présenter cela aux jeunes pour ouvrir l'imagination. On était en train de se demander pourquoi la science-fiction imagine toujours le pire. Je pense qu'il y a quand même une part de subjectivité là-dedans. La science-fiction envisage le changement. Et pour un certain nombre de personnes, le changement, c'est effrayant. En même temps, je dirais que c'est doublement optimiste, parce que d'une part, ça nous fait apprécier les mérites de ce qu'on a au présent, et accepter la possibilité du changement, c'est accepter qu'on n'est pas condamné à subir une situation intenable à perpétuité. Donc, quelque part, quand j'écris pour jeunes, c'est parfois pour justement explorer ces histoires possibles. Et bon, un des romans pour jeunes sur lequel je travaille depuis quelques années à temps très partiel est imagine en fait une visite du système solaire. Je pense que ça prendra plusieurs volumes, et le système solaire, donc il y a une part de vulgarisation scientifique là-dedans, et il y aurait aussi une part d'anticipation dans la mesure où c'est un système solaire qui a été occupé par l'humanité, un peu comme dans The Expanse, pour ceux qui connaissent cette série. Et ça commence avec essentiellement un voyage en train de la Terre à l'orbite, en utilisant ce qu'on appelle un ascenseur spatial, et j'essaye en fait de marier ce qui est envisagé sérieusement par des ingénieurs, ce qui est connu des scientifiques, et de marier ça à un scénario qui, justement, retiendra l'attention, je l'espère, des jeunes lecteurs, hein. Et en le faisant de la façon la plus réaliste possible. C'est certain qu'on peut aussi écrire des romans pour jeunes de science-fiction qui vont être axés sur l'action, le post-apocalyptique, c'est devenu très populaire depuis quelques années, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, je trouve, dans la science-fiction, et je pense qu'il y a encore justement une niche à combler, un espace à occuper, d'imaginer des futurs qui fonctionnent, des futurs où on voit un monde différent du nôtre, mais fonctionnel, avec des gens qui ne sont pas aux abois, qui ne sont pas en train de fuir des zombies ou des guerres géantes. Et qui sont, c'est la fiction qui est basée sur la science. Le nom le dit bien, la science-fiction. On se base sur quelque chose de concret pour se projeter. Marie-Josée, j'ai une question pour toi. Est-ce que la science-fiction, à ton avis, est aussi capable de véhiculer des émotions que la poésie le serait, par exemple? Absolument. Il y a, au même titre qu'il y a toutes sortes de romans historiques ou romans de la littérature standard, dans la science-fiction, il y a toutes sortes de registres. Il y a de la science-fiction très techno, pleine de détails, qui décrit des machines étranges et qui essaie de transmettre des notions scientifiques, comme ce que Jean-Louis vient de mentionner. Puis il y a une science-fiction qui est aussi plus, qui s'intéresse plus à l'humain, et moi je m'associe davantage à ce courant-là, qui est une science-fiction qui regarde comment la psychologie de l'humain et qui moi, j'ose croire que j'ai apporté à ce que j'écris une richesse aussi au niveau de la langue. Il y a quelque chose de très poétique. Chacun de mes chapitres commence par un extrait du livre sacré. Le ton est souvent très, 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 très
très poétique, c'est plein de symboles, et ça se voulait un peu justement une imitation de ce que la Bible pouvait être. Puis je voudrais aussi dire que Jean-Louis mentionnait que il y a tout un courant de qui il y a place un courant de littérature de science-fiction plus optimiste. Puis c'est aussi ce que j'ai voulu faire. Pour moi, c'était important d'amener une touche d'optimisme. Puis en fait, quand j'ai commencé à écrire le texte, on n'était pas encore en pandémie, là, mais je trouve que le moment est bon. Je pense qu'on a tous besoin de croire que les choses peuvent aller un peu mieux en ce moment. On a une question du public. Cassandra Simon qui demande, en tant qu'écrivain, écrivaine, vous vous projetez dans l'avenir pour l'imaginer, mais dans quelle mesure pensez-vous pouvoir participer à orienter le futur avec vos écrits? Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question de Cassandra? Je peux me Oui, lancer. lance-toi. Allô Cassandra, merci pour ta question, pour ta réponse. Merci pour ta question. Une des choses que j'ai observées, puis je pensais pas du tout aller là, c'est que quand je fais des animations au secondaire, par exemple, il y a des groupes qui ont lu mes livres et qui viennent poser des questions. Une des questions qu'ils posent souvent, c'est quelle est la limite entre la science et la fiction, puis quelle partie du livre se base sur des faits scientifiques, puis est-ce que ça se peut des invasions d'insectes? Ça, c'est super le fun parce qu'on peut vraiment parler de biologie puis d'écologie avec des jeunes qui sont intéressés, qui sont soucieux aussi de l'environnement. Je sens vraiment ça quand je rencontre des classes au secondaire. Ils posent des questions sur les insectes, des animaux qu'on connaît finalement assez peu. Fait que c'est super le fun de pouvoir les sensibiliser à des sujets comme ça via l'écriture. C'est pas calculé du tout. C'est ça, donc par l'écrit, vous pouvez avoir une voix dans ce qui se passe, puis dans ce qui va se passer après. Puis C'est finalement, essayer ça. d'éveiller ou de cultiver ce sentiment-là de responsabilité par rapport à l'environnement. Jean-Louis? Ben, c'est certain que quand je parle justement de l'écologie, de l'environnement, j'ai à tout le moins un petit espoir de participer à orienter le futur. Et un des sujets, quelque part, de cette table ronde, la boule de cristal, c'est un peu justement l'influence de la science-fiction sur le passé. Est-ce que la science-fiction des siècles antérieurs a eu une influence? Et on trouve parfois des exemples. Moi, disons, c'est certain que je ne suis pas un best-seller, mais il est possible aussi, il suffit parfois que le bon texte tombe sous les yeux de la bonne personne au bon moment pour inspirer l'idée qui, dans la tête d'une personne, va avoir beaucoup d'influence dans le monde. J'ai aucune idée si ça va arriver à mes textes, mais on peut toujours l'espérer. Et de toute façon, le plus intéressant pour l'écrivain, c'est d'écrire, d'offrir la chose. Et après, une fois que c'est sorti une fois que c'est sorti de l'ordinateur, une fois que c'est sorti de chez nous, que c'est dans le monde public, le reste, on n'a aucune influence là-dessus. Mais on a parfois justement noter que la science-fiction, à certaines époques, s'est beaucoup intéressée à certains thèmes. On parlait de la pandémie tout à l'heure. J'ai fait une étude justement sur les pandémies de la science-fiction avant 2000, 2020, et c'est très intéressant de voir à quel point la science-fiction a presque prédit la pandémie. Il y a eu plus d'histoires pandémiques, disons, selon un premier sondage durant les années 2010 que jamais auparavant. Il y a plusieurs raisons à cela, pas juste, c'était pas juste parce qu'il y avait un don de précognition, mais à d'autres époques, on a beaucoup écrit avant la Première Guerre mondiale sur les guerres du futur et un écrivain comme Herbert George Wells, H.G. Wells, a écrit sur des blindés avant environ 15 ans avant qu'il y ait des chars d'assaut durant la Première Guerre mondiale. On a beaucoup écrit sur les voyages spatiaux vers la Lune avant qu'il y ait des voyages dans l'espace et qu'on marche sur la Lune. Au cinéma, parce que la science-fiction est une perle pour la cinématographie. Combien d'histoires ont été portées au grand écran aussi? J'imagine que c'est peut-être un petit rêve que vous avez pour vos œuvres. Peut-être.
Peut-être. Que nos œuvres soient portées à l'écran. Ben oui. À l'écran ou au théâtre, Oui, qui sait, oui. certainement. Puis, bon, il y a peut-être une petite part de ma démarche en formation théâtrale qui espère aller explorer cette dimension-là dans un futur à moyen-long terme, qui sait. La science-fiction, à quel âge? Ah, c'est un grand débat entre spécialistes, parce que le mot lui-même remonte, disons, de façon continue aux années 20 aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'on invente le mot science-fiction. Avant, on parlait de merveilleux scientifiques, de romans scientifiques. Personnellement, je considère qu'on peut faire remonter la science-fiction au 17e siècle lorsque un scientifique comme Kepler, par exemple, a écrit un roman qui imagine un voyage vers la Lune. Avec des moyens fantastiques, parce qu'il y a un démon qui aide le bonhomme à voler dans l'espace, mais la description de la Lune est très scientifique, parce que Kepler s'appuie sur ses propres observations. Et donc, il y a une alliance, pourrait-on dire, de la science, de l'astronomie et de la fiction, qui pour moi est très fondatrice. Mais c'est un grand débat, parce que il y a des thèmes, comme justement les voyages spatiaux, que l'on peut faire remonter très loin, même dans l'Antiquité, parce qu'il y a eu des gens qui ont imaginé des voyages, même s'ils n'avaient aucun fondement scientifique à l'époque. Et c'est donc, on pourrait en parler longuement. J'étais, avant, en me préparant pour cette table ronde, en train de réfléchir aux ancêtres des textes de mes deux copanélistes. On a des sociétés dominées par les femmes dans la science-fiction depuis très longtemps. Je peux remonter, entre autres, à un texte de 1659 de l'abbé Michel de Pure, avec son royaume de mignonnes. Et bon, c'est un peu misogyne comme allégorie, mais ce n'est pas le c'est un des premiers à le faire de façon, dans un cadre, disons, d'anticipation et rationnel. De la même façon que, je pense que j'en avais parlé à Charles-Étienne à un moment donné, on peut remonter, entre autres, à la guerre des mouches de Jacques Spitz, je pense, dans les Oui. années 30, pour des invasions d'insectes Oui. qui mettent à mal l'humanité. Donc, on peut souvent Oui. remonter très loin, et je pourrais remonter encore plus loin avec les sociétés d'insectes intelligents. Il y a En des... tout cas, c'est un âge vénérable. On peut dire que la Oui, tout à fait. science-fiction a un âge vénérable. Pourquoi, Marie-Josée, on choisit d'écrire de la science-fiction? Quel est le chemin qui nous amène vers la science-fiction après un roman, après la poésie, comme vous avez écrit les deux? J'ai toujours aimé la science-fiction comme lectrice. J'en ai lu dès l'adolescence. J'en ai consommé beaucoup. De m'y mettre moi-même n'était pas nécessairement quelque chose de planifié, mais le personnage central un des personnages centraux de L'Ordre et la Doctrine qui s'appelle Manoine m'est tombé dessus une journée. Pendant que je rêvassais pendant une petite sieste, et je me suis dit, ah ben je tiens qu'il a quelque chose. Je peux pas ignorer ce personnage qui est venu. Et c'était clair que ce personnage-là était dans dans un futur distant de nous de quelques siècles, dans une société très différente. Et à partir de là, ben j'ai imaginé tout l'univers. Alors de faire le saut vers la science-fiction, je l'ai vu un peu comme un risque parce que changer de registre littéraire peut être un risque. On ne s'est pas garanti que nos lecteurs et lectrices vont nous suivre dans cette aventure-là. Je pense qu'il y a encore certains préjugés à l'égard de la science-fiction, mais pour moi, j'ai suivi l'appel du cœur, l'appel de la passion et l'appel du personnage qui est et venu du te personnage. chercher, Oui, littéralement. tout à C'est fait, ça. oui. Charles-Étienne, je me suis demandé en lisant Métamorphose, dans quelle mesure ce que vit Jack, ce que tu écris à propos de Jack, que tu l'avais vécu toi-même en partie dans certaines métamorphoses humaines. Est-ce que Oh j'ai mon Dieu, raison ou j'ai tort? je crois qu'on se métamorphose tous à de multiples reprises au cours de notre existence, et forcément à travers Jack, mais à travers ch chacun de mes personnages, parce qu'il y a un petit peu de moi dans chacun de mes personnages, mais aucun d'entre eux n'est véritablement moi. Ils sont parfois inspirés de personnes proches de moi, mais cette idée de pouvoir changer, que
le bon peut devenir le méchant, peut redevenir le bon, que chaque personnage défend quelque chose et que pour un personnage, mettons que je suis Jack, je suis une bonne personne, mais si je suis, si on veut, l'ennemi ou l'adversaire de l'anti-héros de Jack, Roxanne, elle aussi est persuadée que t'sais, qu'elle fait ce qu'elle a à faire, puis que elle a raison d'agir ainsi. Donc c'est une idée que j'ai envie de continuer à explorer à travers mes prochains projets artistiques. Vous travaillez beaucoup en trilogie, en tout cas vous deux, Marie-Josée. Celui-ci, c'est le premier tome d'une série C'est le de tome trois. 1. C'est Oui, ça. Il est gros, hein? c'était pas nécessaire. Oui, il est quand même assez. Mais c'est ça, je pensais pas nécessairement m'embarquer dans une trilogie. Quand j'ai commencé, moi, je pensais que j'écrivais un roman, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait trop. Que l'univers était vaste et qu'il y avait trop. Que l'histoire était trop ample pour la raconter juste dans un seul roman, ou à moi, il aurait fallu ça aurait été un roman très, très épais. Parce qu'on. Ouais, on. Jusqu'où tu vas là, c'est incroyable jusqu'où tu vas. Moi je me disais, mon Dieu, on dirait que j'ai l'impression de lire un monde qui a déjà existé et dans lequel Marie-Josée a été obligée de faire des recherches incroyables pour retrouver tout ça. Parce on est dans l'ère 305, hein? Faut se Ouais, dire c'est ça. une nouvelle ère donc qui suit de quelques siècles la nôtre. Il s'est produit une série de catastrophes. Je reste à dessein un peu vague sur ce qui s'est passé exactement, mais il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Il y a des savoirs qui se sont perdus. Alors il faut reconstruire quasiment de zéro. Pas tout est oublié, mais beaucoup de villes ont été détruites. Alors, oui, je me suis vraiment amusée à construire ce monde-là qui est très vaste. Puis c'est ça, justement, je pouvais pas faire tenir tout ça dans un seul livre parce qu'il fallait que je permette aux gens de le découvrir tout doucement, cet univers-là. En tout cas, vous avez des univers absolument incroyables. Je vous lance une dernière question, juste comme ça, puis après ça, je vais faire un petit mot de la fin. Vous rêvez à quoi, vous, auteur de science-fiction, quand vous vous couchez, vous fermez vos yeux, pas des rêves éveillés, là, quand vous rêvez pour vrai, là, dans la nuit, vous rêvez à quoi, Charles-Étienne? C'est drôle parce que j'avais cette conversation-là aujourd'hui dans un café avec un ami. À quoi Est-ce que c'est vos très rêves rare. vous inspirent? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des personnages qui vous arrivent en rêve, des situations que vous pouvez C'est très flou, c'est plus des situations, c'est plus des situations de conflit, peut-être. C'est très rare que je me souvienne de mes rêves en détail, mais oui, de conflit, peut-être. Oui, Marie-Josée. Moi aussi, c'est quand même assez rare que je me souvienne de mes rêves. Alors, c'est plus des rêves éveillés qui viennent OK. nourrir mon écriture. OK, Jean-Louis. Mes rêves sont souvent des recompositions de personnes et de situations. Le résultat est assez bizarre, mais il m'est arrivé loin, dans le passé parfois de m'inspirer de rêves. Je me souviens justement pour un de mes premiers romans paru publié sous forme de livre en 94, paru je pense 10 ans avant dans la revue Imagine en feuilleton. Il y avait un rêve où quelqu'un se retrouvait à l'extérieur d'un abri atomique. Donc c'est un rêve de 85-84. Donc on est à l'époque de la des peurs de guerre nucléaire, comme aujourd'hui peut-être. Et ça, j'avais mis ça comme je pense que je l'avais mis transposé comme rêve d'ailleurs dans le roman que j'ai, dans le roman. Puisque après tout, le roman portait un peu sur la même chose d'ailleurs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, dans la vingtaine, j'avais rêvé à un moment donné à une situation où il y avait des transplantations de cerveau. Puis je me souviens, je m'étais réveillée en me disant, mais pour l'amour du ciel, comment ça se fait que j'ai rêvé une chose comme ça? Mais j'aurais dû l'écrire parce que je pense que ça risque de se passer si ça se passe pas déjà. Alors, écoutez, Marie-Josée Martin, Charles-Étienne Ferland, Jean-Louis Trudel, merci beaucoup, beaucoup pour ce 45 minutes assez inusité. Je rappelle vos livres, L'ordre et la doctrine de Marie-Josée Martin, c'est publié aux éditions Prise de parole.
Métamorphose de Charles-Étienne Ferland, c'est publié aux éditions L'Interligne. Le petit guide de la science-fiction au Québec, c'est publié de Jean-Louis Trudel, c'est publié aux éditions À lire. Et pour vous, à la maison, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr continuer à bouquiner sur le site du Salon du Livre, slow.qc.ca, et vous allez dans la section Mon Carnet pour aller continuer à bouquiner, ou bien encore, vous prenez votre auto, ouvrez vos pieds, et puis vous vous rendez dans votre librairie préférée, il y aura tout. Merci beaucoup à l'Association des auteurs de l'Ontario français et à Yves Turbide pour cette table ronde. Merci beaucoup au Salon du Livre de l'Outaouais d'avoir fait encore cette année, pour la deuxième fois, des contorsions assez extraordinaires pour nous permettre d'exister virtuellement. Merci beaucoup à Audre Amani, avec qui nous avons jeté les bases de cette table ronde. Et puis, merci à vous, public. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci de votre générosité et votre ouverture. Et puis, je rappelle évidemment que le 43e Salon du Livre se poursuit jusqu'à lundi et que tout est au bout du doigt, tout est au bout d'un clic. Alors, bon 43e et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci.